Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Salut, le 237 est en train de chavirer. Les enfants se poignardent seulement entre eux. Ce n'est plus Cabral Nandjib et Longue Longue. Le tout si, hein, c'est plutôt Stanley Eno et Malos le Viber. Les amis, vous comprenez le pourquoi les politiciens se déchirent, non? Quelqu'un est déjà riche. Quelqu'un a déjà l'argent, mais il passe à taquer à quelqu'un qui loue. C'est lui qui l'insulte, qui est locataire. J'espère que tu as déjà l'argent du bailleur, mais tu pars encore le provoquer. Le gars ne dit rien, mais tu es toujours derrière lui. Tu dis qu'il est foiré, qu'il n'a rien. Mais tu l'envies alors pourquoi? C'est trop fait, le pouvoir. Il n'a rien, mais il a le pouvoir. Tu as l'argent, mais tu n'as pas le pouvoir. Le 237, ah ma femme, c'est déçoit, je suis déçu. Vous savez, même celui qui nous fait croire chaque jour qu'il a réussi, qu'il n'envie plus rien à personne, celui même qu'on croyait que c'était un exemple à suivre, que vraiment, si on veut dire que les Waman, le président même des Waman, voici l'exemple à suivre, qui est Malos le Viber. Stanley Eno est couché lui chez lui tranquillement, avec ses multiples trophées. Et Wanda, seulement que Malos le Viber vient le clasher. Le gars n'est même pas au courant de lui. Il vient le clasher. On ne comprend même plus. Celui qu'on croit que non, il n'en vit plus rien à personne. Puisque c'est lui qui passe tout son temps, tous les jours, à nous faire les publications de sa belle villa, de ses belles voitures, comment il a réussi. Mais venir encore se rabaisser, attaquer quelqu'un. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Alors, il a fait un premier post où il dit que Stanley Eno a passé son temps à acheter les featuring, à faire des grands spectacles en bain, tout ça. Et il n'a rien réalisé. Qui reste le grand maître, le king, l'exemple à suivre. Stanley Eno revient lui tranquillement. Moi, c'est le condensé que je vous donne. Hein. Si vous voulez lire les textes, allez sur leur page et lire les textes. Alors, Stanley Eno revient à son tour. Il met seulement le cœur. Que papa, l'amour est mieux que la guerre. Mais alors ça, son tour, ça le fait tellement mal. Parce qu'apparemment, quand lui lançait les pics comme s'il se disait que ça devait dégénérer, ça devait faire un jala dans la tête de Stanley. Et non, il devait seulement se déchaîner. Le gars vient lui dire que papa, moi je suis pas là pour la guerre. L'amour, il met le cœur. Ça choque tellement Malos. Il revient, il refait encore le poste. Depuis quand les hommes, un homme donne les cœurs à un autre homme. Le pays ici, on le sait même, donc c'est-à-dire que ça, c'est un pays de mouvement. Ici, on ne dort pas. Ça, c'est le meilleur pays au monde. Je vous dis, il n'y a pas un autre pays au monde où il y a le buzz comme ça. Le gars fait encore notre pause. Il dit, j'espère que tous les grands stars internationaux là, c'est déjà la fin du mois. Il est comme ça dans son salon. Hein. Il montre sa belle villa, la belle vie et tout le reste. J'espère que vous avez l'argent pour payer le loyer. Il se moque toujours de qui? On ne sait pas. On ne sait pas véritablement. On ne sait pas ce que Malos a dans son cœur. Le problème qu'il a avec Stanley Eno. Il faudrait vraiment qu'il fasse un direct pour nous dire que voilà ce que je réclame à Eno. On ne sait pas s'il discute une même go. On a juste vu Stanley Eno avec une go. Moi, je ne parle même pas de l'Angola parce que ce qui nous intéresse ici, c'est nos frères camerounais. Oh, le gars comment dire que oh, tu es monté, tu es descendu. Stanley Eno est lui tranquille dans son coin. Il n'a lui rien dit. Nous, comme bavard, même comme ça, on parle même de certaines personnes dit que on vient nous dire que nous sommes jaloux parce qu'on n'a rien. Mais voilà quelqu'un qui nous dit que parce qu'il fait ça, Stanley Eno ne dit lui rien depuis. C'est toujours lui qui vient sur la toile. Il poste tous ses multiples sons, tous ses sons qu'il a mis sur la toile. Il poste Stanley Eno ne dit rien. Il vient dire que oh, c'est lui le King Kong. Partout dehors là, ce n'est que ses sons qu'on joue actuellement. C'est lui le la star de l'heure. Stanley Eno ne dit rien. Il dit que oh, c'est lui le modèle que les jeunes suivent parce qu'il traite les influenceurs et les influenceuses. Les jeunes, Stanley Eno, reste-lui toujours tranquille. C'est lui qui vient dire, oh, c'est moi le propriétaire des villas avec piscine, ou des grosses voitures, c'est moi qui fais les grandes publicités, machin, truc. Stanley Eno est lui toujours tranquille.
se rappelle que ce malheur-ci avait provoqué Steve Afa. Tu es ceci, tu es cela. Quand ils sont arrivés à la gendarmerie, le gars est devenu petit, comme depuis le jour-là, il n'a plus jamais ouvert sa bouche. Steve Afa t'avait fermé la bouche. Aujourd'hui, c'est Stanley et nous, ton moins cher. J'ai avec Steve Afa. C'est Steve Afa. Steve Afa est ton remède. Bah, tu vas faire, on va quoi appeler Steve Afa. Il va venir. Il va gérer ce dossier. On sait que Steve Afa, c'est ton remède. Donc, comme tu es là, que tu clashes tous les gens, tu clashes, tu dis que tu es le King Kong des clashes là. On connaît à qui est ton remède, Steve. Donc, mes chers frères, on ne sait vraiment pas où c'est toujours le divertissement, où c'est toujours la distraction, où ils ont un problème, on ne comprend plus rien. Les buzz chaque jour, alors, franchement, chers voisins, moi je t'admirais beaucoup. Bon, bref, je t'admire beaucoup parce que parfois quand tu fais tes publications, tu expliques comment tu as voir, comment tu dormais quand tu as sorti ton premier son. La bière c'est combien, je crois que c'est ça, tu dormais dans un chantier sur un matelas de 10 cm, tu as bataillé, sauf que, et aussi les gars qui viennent t'insulter, que tu dis que tu es une superstar artiste, machin truc, tu as presté ou ambeng. Les gars sont aussi barates ici, et que tu c'est toi le, qui gagne les prix de 20 millions, tu as presté ou ambeng, on t'a vu. Là, le pays, non, j'aime le Cameroun. Je ne peux pas quitter le pays, c'est bon. Pour aller où? Un pays où il y a le chaud comme ça, là, tu quittes pour aller encore où? Où il y a l'obscurité? Non. Mieux même, on dort dans l'obscurité des néons. Parce que les clashs ici, là, ça nous met déjà en lumière. Ça nous met en lumière. Ça nous donne même les lampadaires, les lots. Mais, les gars, vous êtes forts. Donc, on ne peut plus se reposer. On ne peut plus dormir. Il n'y a plus le repos. Clash sur clash. Donc on voulait oublier le dossier de Najib et Longue, croqueuse de diamants. Pap, tu sors une fois que non, les gars. Pas de sommeil. Tu alimentes la toile. Voilà tout Facebook maintenant. Inondé. Stanley et nous. Malors le Viber. Malors, c'est quoi ton problème? Dis-nous. Les amis, dites-moi en commentaire quel est vraiment le problème de Malors le Viber. C'était le général Franco. Partage la vidéo si tu as aimé, les gars. Ça, c'est la page du Sokoto. Papa Soko. S'abonnez-vous. Prendre soin de ses proches restés en Afrique. Savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus, rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.